Ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien ici auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Valhalla et du coup on est reparti pour continuer notre aventure. Donc bah logiquement on peut continuer le jeu, je suppose. L'histoire. Parler. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Oula. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse. Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor, et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous des alliés ou pas? On ne négocie pas avec les brutes, là, t'as dit. Vas-y. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ouf, cassé. Ta confiance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement, pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi tentais-tu à porter ce fardeau? Oublie-le! Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie, et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Là. Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. C'est un gentil Sigurd, je crois. Tranquille. Oui, c'est ça. C'est un gentil. Ah, je sais pas. Hey, doucement avec celle-là. Eivor ! Sigurd ! Ah, regarde-toi, tringre, couvert de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi ? Et toi, viking à la peau salée ! Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, Marie revient. Chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui. Mazib et Aitam. Nous nous sommes rencontrés à Mikligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Bizarre quand même.
Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups... Je comprends pas l'histoire du jeu, en soi. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kyodve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais... Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kyodve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. 2 ans, ah ouais, c'est chaud. Et une fois rassasié, père... Nous parlerons de Kyodve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons, je le sais. Eivor le sait, il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Aïe aïe aïe, le jeu il est tellement beau. Dans la Rousse. Nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi, des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui... Me revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Ce serait bien un Assassin's Creed comme ça, en mode un peu... Enfin, un jeu Capitaine des Caraïbes. Oh, ce serait une dinguerie. Genre le même gameplay à peu près. Ton cadeau t'attend. Par ici, ton cadeau t'attend. Par ici, ton cadeau t'attend. Par ici, ton cadeau t'attend. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers, que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel ? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Thor lui-même en serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux, ou me laisser commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui. Cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun, une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant,
te fait cadeau d'un de ses secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. C'est bizarre. Ce n'est pas une arme bien effrayante. Un brassard avec une lame minuscule. Elle peut paraître modeste, mais ceux qui en sous-estiment l'efficacité sont souvent les premiers à périr sous sa morsure. Mator, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à la cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Allez. Notre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Excellent. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-toi avant de frapper. Une tentative correcte ? Élimine celle-là depuis le rebord. Comment ? Ah ouais, je vois. Exactement, comme cela. Oh, c'est stylé de fou. Que dirais-tu d'un défi ? Bondis sur cette cible, depuis une hauteur. Un coup parfait. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Voilà. Par derrière, celui-ci, environnement, ok. Mentor, Eivor compte se joindre à nous ? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame ? Il doit y avoir des items. Silence. Un coup parfait. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Bizarre. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Je sais pas, je les sens pas les deux. Hein. Prenez votre temps avec... Ouais, bah c'est bon. Que penses-tu de mes nouveaux amis ? Ils semblent généreux. Tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances. Quand le... Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon ? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres ? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue.
Bam! Il le tue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain... Il y a un DLC, mais je sais pas si je vais les faire, parce que bon, bah... Et reprendrons les terres qu'ils nous c'est cher. Et j'ai envie d'acheter d'autres jeux aussi plus tard, donc... Le nôtre. Puis moi. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Oh, let's go. Quête terminée. On va à l'aube partir pour l'Angleterre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Long chargement. Ah, petite cinématique. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras Sigurd. La peste. Des guerriers de Kyotve. Ouais, je bug. N'étais sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Ça c'est quoi ça? Je suppose qu'il faut que j'aille en haut. Ah ouais, c'est stylé de fou. Chaque jour passé à ne rien faire, Kyotve devient plus fort. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kyotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Oh, pas mal la métaphore et tout. On a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. Trois hommes envoyés par Kyotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre folle, le village de Baleinier que tient Kyotve. Alors attaquons, brûlons-le avant que Kyotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre ? Tu comptes nous accompagner ?
Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Oh, pas content. Eh bien, nous, du coup, on va déjà s'arrêter là. N'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. C'était Auteur, n'oubliez pas que je kiffe. Allez, ciao.